Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly, bienvenue pour un nouvel épisode avec notre héros Clément D'Artagnan sur F1 2021 dans l'écurie John Deere Racing. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui les amis, au programme, on peut dire qu'on est de retour en enfer, c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui au programme, comme vous pouvez le voir, nous aurons le Grand Prix de Monaco, mais en plus de ça, nous n'avons pas que ça, attention. Nous avons aussi, regardez, voilà, nous avons Bakou. Donc autant dire que nous avons deux grands prix de feu et deux grands prix où il faudra être très patient. Je vais devoir mordre sur ma chic et surtout être très calme, ne pas vouloir dépasser comme un gros bourrin. Parce que je vous avoue que j'ai revu en faisant le montage mon grand prix que j'ai réalisé en Chine. Je vous avoue que je m'en suis énormément voulu après coup. Parce que j'ai revisionné, je me suis dit, j'aurais dû attendre, j'aurais pas dû y aller comme un gros bourrin. Et clairement, j'ai fait une très très grosse erreur, ce qui m'a coûté la victoire. Mais bon, j'ai terminé 6ème, donc autant dire qu'on a un peu limité la casse. Mais je m'attendais à faire mieux, et heureusement après, on a gagné au Portugal, on a fait premier. Ce qui fait que pour le moment, on est 2ème au championnat. Mais attention qu'on va avoir très dur cette année, je pense que... là, ça sera plus trop Mercedes notre rival principal, ça sera vraiment Red Bull. Je pense que Red Bull va être notre plus gros rival cette saison, parce que clairement, Max Verstappen et Sergio Perez, ils sont en feu. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé pendant la trêve entre la saison 2 et la saison 3, mais autant dire qu'ils sont en forme. Alors aussi au classement les amis, donc pour le moment nous, je le rappelle, on est deuxième, donc Clément D'Artagnan est deuxième, notre héros est deuxième. Au classement des constructeurs, on est troisième pour le moment, mais bon, rien n'est encore mal fait, on peut encore remonter, et je sais qu'on peut remonter. Alors aussi, juste avant de commencer, là ici j'ai des tenues emotes, je vais juste faire ça parce que moi ça m'embête. J'ai débloqué un nouveau casque qui est juste là, qui est magnifique. Voilà, il est juste là, j'ai débloqué aussi celui-là, voilà, comme ça vous avez vu. C'est juste que ça me perturbe d'avoir tout le temps le petit signé jaune notification, ça me perturbe. Alors, ce que je voulais vous montrer, les amis, c'est au niveau de notre véhicule en R&D. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, on est la troisième voiture, au niveau performance. Donc, autant dire qu'on est bien situé. Aérodynamique, châssis, c'est bien élevé. Chaîne motrice et longévité, on est en normal. Mais je compte bien augmenter le tout. Alors déjà, on va regarder tout ça en détail. Bon, on va prendre ici. Alors comme vous pouvez le voir, pour le moment, on est devant Aston Martin au niveau de l'aéro. Comme ça, vous pouvez le voir. On est donc dans le ventre mou encore. Donc il va falloir améliorer l'aéro. Ça, c'est sûr et certain. Niveau du châssis, je pense que ça, on est pas mal. Et effectivement, on est bien à la troisième voiture du... au total, on est la troisième meilleure voiture. Ensuite, chaîne motrice... Là, on est au top du top. Je pense que d'ailleurs, on a tout débloqué. Je vais vérifier. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah, il manque une pièce. Mais on a la meilleure voiture au niveau chaîne motrice. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau de la longévité. Alors, est-ce qu'il y a une pièce dispo que je puisse vous montrer? Alors là, pareil, on a la meilleure voiture au niveau longévité. Donc, autant dire que niveau longévité, chaîne motrice, on va laisser de côté. Et on va commencer à se concentrer plutôt sur le châssis et l'aéro pour faire en sorte que notre voiture puisse mieux concurrencer tout simplement les meilleures monoplaces du circuit, c'est-à-dire Red Bull et Mercedes. Dans tous les cas, les amis, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je vais devoir mordre sur ma chic, faire très attention, ne pas me presser. Et j'espère que ça va bien se passer parce que clairement Monaco, je vous le dis, c'est l'enfer de Monaco. Il suffit d'aller voir ma première course sur ce circuit. C'était pendant la saison 1, n'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir. C'était une catastrophe. Et l'Azerbaïdjan, là j'avais fait une grosse erreur, mais il faut dire que j'avais été déconcentré alors que j'aurais pu gagner largement. Mais bref, aujourd'hui on va essayer de se refaire une santé. On va essayer cette fois peut-être de les gagner. Mais au mieux, je vise les points.
parce que clairement c'est les circuits urbains, c'est pas du tout ma came, mais cette saison je voulais absolument me challenger, me mettre des défis, et c'est pour ça que j'ai mis du coup des circuits urbains, parce que je suis pas du tout circuit urbain à la base, je suis même assez mauvais sur ces circuits, mais bon, je me suis entraîné, donc j'espère que ça va aller pour cette fois-ci. Dans tous les cas les amis, avant de commencer la vidéo, bien évidemment, petite tradition, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour me montrer que vous kiffez la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour m'aider dans ma passion et pour ne pas louper les prochains épisodes et autres contenus, que ce soit gaming, urbex, story, court-métrage et autres déconnades. Et puis accessoirement, n'hésitez pas non plus à partager autour de vous mes vidéos pour aider la chaîne à grandir encore plus facilement. Et si vous faites tout ça les amis, franchement un énorme merci, vous êtes les meilleurs, vous êtes phénoménaux. Allez, trêve de blabla, je vais faire les essais libres de mon côté et je vous retrouverai directement pour les qualifs. A tout de suite. Bon, et ben les amis, on est parti pour les qualifications à Monaco. Et je peux vous dire que ça promet déjà. Je vais croiser les doigts et vous pouvez les croiser avec moi. Parce que je sais pas si je vais survivre à ce circuit, parce que je me suis crashé au moins deux fois. Oh mon dieu, c'est un enfer, ça n'a pas changé. Oh mon dieu, mais quel enfer. Je vous jure les amis, je sais pas si je vais déjà faire pole position, mais je crois pas, hein, mais hop là là, quel bazar. Franchement, c'est un enfer, hein. Monaco, c'est l'enfer, hein. Franchement, je n'aimerais jamais ce circuit, et je pense que je ne l'aimerais jamais, je ne l'apprécierai jamais, je suis désolé. Bon, désolé pour tous ceux qui adorent ce circuit, mais moi, perso, je n'y arrive pas dessus. Allez, qualification, on va se concentrer, alors préparez-vous à des qualifications bien lentes. C'est un truc de fou, hein. Je vous le dis déjà, ça va être un bazar. Voilà, ici déjà ça commence, vous voyez que ça frotte déjà. Je suis à deux doigts de frotter le côté. Ah, je vous jure que je vais pas parler beaucoup, hein. Cet épisode-ci, ça va être... Oh, déjà, regardez, je suis en 22e, quoi. Regardez-moi ça, c'est calife de catastrophe. Et franchement, je fais de mon mieux, mais oh là là, quel bazar ce grand prix. Oh, ouf, c'est pas loin encore. Oh là là, quel enfer, mais quel enfer ce grand prix. Quel enfer. Franchement, respect à tous ceux qui arrivent à conduire sur ce circuit et à faire des grosses performances, parce que clairement c'est... Oh là là. C'est là que je me suis crashé, tout le temps je me crache là, tout le temps. Ah ouais, ça va être dernier, hein. Dernier, hein. Viennent de se terminer, revoyons qui sont les trois premiers. Perez, Verstappen et Valtteri Bottas. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Eh ben, je l'avais dit, hein. Bon bah ici, Daniel Ricciardo, on va compter sur toi, hein, c'est ton moment, puisque je vois qu'il est 9e. Et nous, bah on est dernier, hein, sans surprise, hein, je l'avais dit, hein, on est clairement... On est nulle part sur ce circuit. Oh là là. Ça va être tellement dur, mais je l'aime tellement pas ce circuit. Oh là là, quel bazar. On va essayer de faire mieux pendant la course et essayer d'être dans les points, mais gagner, je pense pas qu'on gagnera. Hein. On verra. On va essayer de trouver une stratégie qui fonctionne à long terme et bah, on va essayer de limiter la casse. Hein. Bon, bah, les amis, du coup, je fais la coupure, comme d'habitude, et puis bah, on se retrouvera directement pour la course. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. La vitesse moyenne du circuit de Monaco est la plus faible du calendrier et vu les conditions actuelles, les pilotes auront tendance à ne pas trop forcer. La piste est composée de 19 virages et fait 3,2 km de long. Lorsque la pluie s'en mêle, il est encore plus difficile de faire chauffer les pneus ici et la voiture de sécurité pourrait bien intervenir durant le Grand Prix. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Sergio Perez qui part en pole position aujourd'hui et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Hamilton,
Carlos Sainz et Gasly, Norris, Ricciardo, Russell et Lance Stroll, Ocon, Giovinazzi, Valtteri Bottas, ils ont reçu une pénalité sur la grille, et Tsunoda, Aitken, Mick Schumacher, Robert Schwartzmann et Jehan Daruvala, Latifi, Zhou, Mazepin et D'Artagnan. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Ouais, ça va pas être évident. Quand j'ai vu que la pluie était là, oh mon dieu, ça va être une catastrophe. Oh la vache. Donc arrêt, aucun? Aucun arrêt? Zéro? S'en fout eux, ok. Aucun arrêt, bon ben... Let's go alors, hein. On va y aller. Hein. Je croise les doigts déjà pour sortir vivant de cet enfer. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, là on est dernier. On va essayer quand même d'être dans les points, mais bon, ça va pas être évident. Allez, c'est parti. Et surtout, on va éviter de déraper. Déjà, je sens que ça glisse. Bon, on va se contenter de rester derrière Mazepin. Fait, ça y est, ça freine comme des malades. Zou. Oh, en plus, on voit rien, il pleut. Oh, c'est qui bazar, mais c'est l'enfer ici. Ah, je vais pas au stand, hein, c'est bon. Oh, il flûte. Oh, et allez. Oh là là, oh là là. Oh, c'est bon. Préparez-vous au Grand Prix le plus court de l'histoire, les amis, je vous le dis. Oh, misère. C'est pas possible, quoi. Sérieux. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? J'ai déjà validé une stratégie. Alors fous-moi la paix, parce que là, j'essaie d'avoir Mazepin en petite vitesse. Quel bazar! Oh, ce Grand Prix, c'est un enfer. Plus d'ailerons avant, génial. Avec Zou qui freine comme un gros cochon. Et en plus, on voit rien. Ah, c'est mort, je suis hors course. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Je le sentais! C'est pas possible! Mais quel enfer! Oh, je le sentais! Quel enfer! Ah, oh, Monaco, franchement, c'est le pire Grand Prix jamais créé, franchement. Oh, pas possible. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bon, bah les amis, après l'échec total à Monaco, on est parti pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan et j'espère, bah, pareil, sortir vivant déjà de ce Grand Prix et surtout, bah, essayer de faire mieux. Alors, j'ai fait les essais de mon côté, et bah, on va dire que c'est potable, c'est pas énorme. Et encore une fois, bah, Ricardo, il est en feu, c'est le circuit urbain, c'est son truc. Parce qu'à Monaco, il a terminé 4e, donc déjà bravo à lui. Et ici, bah, j'ai l'impression qu'il est reparti pour nous faire un bon résultat parce qu'en essai libre, il était 4e. Donc, je suis très content de lui. Maintenant, je croise les doigts pour que nous fassions la même chose. Parce que bon, après, on va perdre du terrain sur Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix de Monaco. Et on risque d'avoir des problèmes pour aller rechercher le titre de champion du monde. Bon, bah, c'est parti. Qualification, c'est parti. Maintenant, bon, par rapport à Monaco, j'ai plus d'espoir pour Baku parce que
Là, lors de la première saison, je m'étais quand même pas si mal débrouillé, même si c'était pas non plus folichon. Tu es dans une droite, on gagne. Hein. Allez, on va se concentrer. Et pendant, Ricardo est devant nous. Bon, c'est pas beau ça. Plus dur, c'est de relancer en fait. Ça qui a en vitesse de pointe dans la ligne droite, ça ira, mais. Il y a des virages, en plus c'est super serré comme ici, il va falloir que je fasse super gaffe. Ouais. Oh, on est 15e que je joue. Bon, maintenant si dans la ligne droite, il faut mettre à fond la voiture. Bon, je crois qu'on va démarrer 14e, je crois. Ouais, 14e, à mon avis. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Verstappen, Perez et Valtteri Bottas. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Eh ben dis donc, Ricardo, il est en feu, hein. Encore quatrième. Quatrième au qualif. Bien joué à lui. J'espère qu'il va faire un très grand prix. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va s'appuyer sur lui. Et puis, bah, moi, vous voyez, je suis quatorzième. Je m'en doutais un petit peu, hein. Ce sont Monaco et Azerbaïdjan. Ce sont deux circuits très compliqués. Techniquement, et vu que, voilà, vous connaissez mon niveau, il n'est pas non plus exceptionnel. Même si, bon, je m'améliore au fur et à mesure. En écoutant vos conseils, d'ailleurs encore merci. J'espère quand même améliorer ça et essayer de finir dans les points, encore une fois. Bon, bah du coup, je fais la coupure comme d'habitude et puis bah on se retrouve tout de suite pour le Grand Prix de Bakou. Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Lance Stroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Le circuit urbain de Bakou offre traditionnellement une course imprévisible sur les 5,9 km à travers les rues de la capitale d'Azerbaïdjan. Il va falloir composer avec 20 virages, dont le fameux virage numéro 8, qui représente l'une des courbes les plus serrées et les plus difficiles de la saison. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Bon, parlons un peu de Lando Norris. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1, et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton, il s'agit plutôt de limiter la casse. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi de Sergio Perez. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Bottas, Ricciardo, Pierre Gasly et Hamilton. Leclerc, Sainz, Stroll et George Russell. Tsunoda, Ocon, D'Artagnan et Giovinazzi, Aitken, Mick Schumacher, Nicolas Latifi et Lando Norris. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Schwartzmann, Daruvala, Zhou et Nikita Mazepin. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. On va s'efforcer, hein, Jeff. J'espère que ça ira cette fois. Bon, alors du coup, c'est quoi la stratégie ?
Un arrêt au 13. Au tour 13. Non. Non, non. Non, pas au tour 13. Ah, au cinquième, pardon, j'ai rien dit. Par contre, pneus relais, eux ils mettent soft, moi je mets les médiums. Tour d'arrêt, il y a. C'est combien de tours? 13. Moi je le mets au sixième. Ah, quoique, cinquième, ça peut être pas mal, hein. Oh, on va le laisser cinquième. Partant sec, il faut chausser au moins deux types de scie pendant la course. Ah, ok. Bah alors, c'est good alors. Au cinquième tour, parfait. Bon, bah ok. Allez, c'est parti. On est 13e grâce à la pénalité de Lando Norris. On a gagné une place. Donc ici, on va essayer de remonter. Allez, c'est parti. Mais non! Mais c'est pas vrai, Tsunoda! Oh! Il est encore frais qu'un cochon! Bah oui, et là encore, il freine encore, mais c'est pas possible! Ah non, c'est Giovinazzi cette fois, j'ai rien dit. Non, Tsunoda! Oh. Tsunoda, qu'est-ce qui peut m'énerver à faire ça? Il freine comme un gros cochon en pleine ligne droite, quoi, sérieusement. On va essayer de gérer. On va essayer de tenir jusqu'à aller changer ça, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Purée de pommes de terre. Je vais devoir vraiment essayer de survivre. Oh, misère. Ah, tu pars en sucette. Wow. Je suis passé pas loin de me faire démonter. Pardon? Ah, quoi? Il m'a même pas touché. Oh, et Mazepin qui fait encore le cochon en plus. Devant moi, il aurait pu me mettre hors course. Hop, au revoir Mazepin, tu vois, hop, au revoir, hop. Oh, misère, quel grand prix encore que ça va être, misère de pomme de terre. Bon, là, il faut aller au stand. Allez, de toute façon, vaut mieux passer maintenant qu'après. Je vois que je suis pas le seul. Hein. Schumacher et Leclerc ont dû passer aussi. D'ailleurs, Leclerc est dans le fond. Ça, c'est étonnant. Ah, Mazepin est ressorti devant moi. Comment c'est possible? Sors maintenant, tu reprends la piste dès la sortie des stands. Ah non, c'est Zou. C'est Zou. Ça marche. Bon bah il faut essayer de plus passer dans les stands maintenant. On va essayer de finir comme ça. Allez, on va essayer de remonter, hein. Revenir un petit peu dans la course, dans le coup. Surtout. J'espère que Ricardo va s'en sortir beaucoup mieux que nous. Parce que clairement aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Monaco, Bakou. Et Mazepin est toujours derrière moi, donc c'était bien Zou qui est passé devant moi. Allez, let's go. Ah bah c'est Schumacher qui est là. On est revenu sur lui. Allez, let's go. Bon, c'était un peu en mode cowboy, mais bon, ça va. Allez.
Allez, on a une voiture puissante pour faire des trucs de fou avec. Allez. Ça va être très dur, mais on lâche pas. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Ah. Et on revient sous Schumacher là. Allez. Et on revient très bien sur lui. Allez, on lâche pas. Ah, on est bien revenu. Allez. On peut aller le chercher après. Pas maintenant, en tout cas, dans la ligne droite. Allez, ça y est, on est dans la ligne droite, maintenant il faut aller le chercher. À l'entrée ici, on le dépasse. Allez, maintenant, on y va, on va essayer d'aller le chercher. Allez, dans la ligne droite ici, on peut aller le chercher, allez. La John Deere est normalement plus puissante, allez. On l'a. 47 ? Ouah, ils sont loin. Chez Ricardo, il nous fait une course de folie. Hein. Il doit être dans les premiers. Ouais, il doit être quatrième là. J'ai l'impression qu'il est quatrième en plus. Bien, Ricardo. Allez. On va essayer de revenir. Ce qu'il faudrait, c'est que les deux John Deere soient dans les points aujourd'hui. Déjà, bah, pour moi, au niveau classement des pilotes, pour pas trop perdre non plus sur Sergio Perez et surtout Max Verstappen. Et en plus, bah, pour l'écurie, quoi. Parce que pour le moment, on est repassé quatrième au niveau des constructeurs. À cause de ma grosse... mes performances, si, je sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, j'ai été en méforme à Monaco. Alors, on a 15 secondes derrière Leclerc, hein. C'est quand même quelque chose. On réfléchit à une stratégie viable que nous pouvons utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Mais fuck, hein, c'est pas possible, hein, je suis désolé, mais merde. C'est pas possible, quoi, sérieusement. Il y a des endroits, ils sont tellement étroits, c'est un truc de fou. Oh, encore ici, je suis à deux doigts. Oh, c'est un truc de fou. Oh, tu sais quoi, fuck, je rentre pas. Faut que je revienne. Je rentre pas, je rentrerai plus tard. Tant pis. Tu es Schumacher, reviens sur moi. Mais bordel! Et il freine devant moi comme un gros saligo. Sérieusement. La manœuvre de dépassement était beaucoup trop agressive. Ouais non, hein. Mais c'est ça. Mais non, hein. C'est pas moi qui dépasse, c'est lui, hein. Mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. C'est pas moi, c'est lui, hein. Il passe devant moi et puis il freine comme un gros cochon, là. Salaud. C'était sûr. Salopard. Franchement. Non, c'est pas moi, là, je regrette. Merde, quoi. Flucht. Sérieusement. Oh, cet épisode m'aura vraiment mis en pétard. Purée de pommes de terre, c'est pas possible. Exactement comme Tsunoda. Il sait qu'il a une voiture moins forte que moi. Il passe devant moi si je suis en méforme. Et puis boum, vas-y, que je freine comme un gros cochon. Hein. Oh, purée de pommes de terre, sérieusement. Sérieusement, quoi. Oh, Schumacher, sérieux.
Je sais même pas si je vais savoir terminer la course, hein. J'ai peur de finir dans le mur. Hein. Quel bazar, c'est pas possible quoi. Et voilà, je suis mort. Hey, ça va ? C'était pas beau à voir. Confirme que tu vas bien. C'était sûr que ça allait arriver, hein. C'était sûr. Bon, bah écoutez, épisode le plus court de l'histoire, jamais réalisé. Hein. J'ai tout fait pour tout faire comme il faut. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis parfait pour le circuit urbain. C'est juste ça. C'est ainsi qu'un nouveau Grand Prix d'Azerbaïdjan s'achève. Une course captivante et une victoire des plus méritées. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Bon bah les amis, clairement aujourd'hui ça n'a pas été du tout notre journée. Une chose est sûre, c'est que je ne suis pas fait pour les circuits urbains, ça c'est clair. Oh la vache, mais vraiment les amis, j'ai été mais... Oh là là, c'était une catastrophe. Aujourd'hui vraiment c'était la grosse catastrophe. Là, il n'y a rien à dire, je suis clairement pas fait pour les circuits urbains. C'est... Enfin voilà, c'était déjà difficile avant, mais là ici, non, j'y arrive pas. Je suis peut-être pas fait pour ce genre de circuit. Mais en attendant, Daniel Ricciardo a encore fait un très bon résultat. Ce qui fait que maintenant, au championnat des pilotes, et ben maintenant il est 9e. Donc ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui, autant dire que Daniel Ricciardo a été l'homme qui nous a porté. Et au classement des constructeurs, nous sommes de nouveau 3e. Donc on est remonté devant Ferrari, mais de pas grand-chose. Nous n'avons que 2 petits points. Au niveau des classements des pilotes, et ben là, on a du retard sur Max Verstappen là. Donc il va falloir essayer de se retrousser les manches et de revenir jusque là. Maintenant les amis, je garde espoir parce que juste après, pour l'épisode prochain, ce sera ni moins que le Grand Prix de Silverstone et le Grand Prix de Hongrie. Alors le Grand Prix de Silverstone, je le connais très bien. J'ai déjà gagné plusieurs fois sur circuit et en plus je l'aime bien. Hongrie, vu le pilotage que j'avais proposé lors de la saison 1 qui était catastrophique, mais... qui n'était pas non plus aussi horrible qu'aujourd'hui à Monaco et à Bakou, je pense qu'on peut quand même essayer d'être dans les points. Donc je garde espoir de remonter, surtout qu'après c'est le Grand Prix de Belgique. Singapour, n'en parlons même pas, si je suis même pas fait pour les Grands Prix urbains, Singapour, faut même pas demander ce que ça va donner. Donc on verra, mais en tout cas, je garde encore, on va dire, un minimum d'espoir. Mais être champion du monde, ça va être chaud, parce que clairement, on peut le voir, Max Verstappen et Sergio Perez sont au-dessus. Hein. Premier, deuxième, voire troisième, ils sont en forme cette année. Bon, et les amis, du coup, on va se laisser là-dessus. Bon, ça aurait été une vidéo plus courte que les autres, mais bon, voilà, c'est comme ça. La voiture n'a pas tenu le coup, ou plutôt, devrais-je dire, c'est nous qui n'avons pas tenu le coup, puisque... On a cassé notre monoplace je sais combien de fois. J'ai fait d'ailleurs des investissements sur le côté pour essayer d'améliorer la tenue de route. Mais les circuits urbains, clairement, c'est pas ma cam du tout. Dans tous les cas, si vous avez quand même apprécié la vidéo, et puis surtout, je pense que ça va être le cas ici, surtout pour me soutenir dans ma terrible douleur d'avoir complètement échoué comme une vulgaire chaussette lors de ces deux grands prix, n'hésitez pas en soutien pour essayer de me réconforter, de me mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner pour me soutenir dans ma passion, que ce soit aussi...
Oh, j'arrive même plus à parler. Je vais la refaire. 1, 2, 3. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour m'aider dans ma passion. Et puis, pour ne pas louper les prochaines vidéos et puis les prochains épisodes, en espérant que ça aille mieux sur FA 2021. Donc, voilà. Sur ce, un énorme merci, les amis, si vous faites tout ça. Et puis, bah, je vais essayer de me consoler en regardant un Grand Prix à la télé. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Silverstone et le Grand Prix de Hongrie. Allez! Ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Oh yeah. Oh, ça va être dur à la fin de journée. Pouh. Qu'est-ce que j'ai été mauvais aujourd'hui.